Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother, hein, toujours avec la bande à Dafcool. Et on se retrouve du coup dans le combat qu'on devait faire et qu'avait planté lors du dernier. On est avec notre petite bande de mercenaires, c'est leur archer qui a commencé, il a one shot un mec direct, donc bon bah voilà, vous n'avez pas pu le voir. Je suis désolé. Je sais pas trop comment on va gérer ça. On va probablement attendre un peu de voir comment ça se passe. Alors j'aimerais autant pas trop rester dans la flotte pourrie par contre si on peut. Donc on va avancer quand même avec nos mecs. Histoire de prendre pied sur du vrai territoire dirons-nous. En plus ça va leur donner envie de venir. Enfin, ça va donner envie de venir. C'est encore relatif. Hein. Hildebert, il va aller là, mais pas plus loin. Oh, lui, il a un bâton ferré, on dirait, un truc du genre. Sympathique. Ici, on va avancer par là. Alors, on a un nouveau qui nous rejoint. C'est Gakkar, le fouettard. Qui donc a son fouet, hein, très très efficace, qui pareil fait un excellent RP que je vous invite à aller regarder si vous vous intéressez à ce genre de choses, et qui va faire qu'on va probablement essayer de le spécialiser en fouet, simplement. Bon, pour l'instant, voilà, hein, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais il y a moyen de faire quelque chose de sympa, je pense. Ah ouais, d'accord. Ok, ça c'est fait. Le mec il se pointe, il balance un coup, il bute deux mecs. Bon, très bien. Le thème est donné, on va dire. Du coup, on va quand même essayer d'aller charger là-bas, hein, histoire de peut-être tenter de prendre des kills quand même. Ce sera pas plus mal. Alors, on va essayer de taper sur ce mec avec ses cailloux, si on peut. Ok, raté. On peut plus avancer du coup, tant pis. Écoute, reste là pour l'instant. Ici on ne peut pas fouetter. Oh, c'est gerbe de sang quoi. Ok, on peut avancer là et mettre un coup. Parfait. On va en prendre un petit peu d'XP. Chose me dit que les mecs vont être voilà dévastateurs. Ouah putain. C'est tellement le drame quoi. Ok, lui il se replie carrément dans les hautes herbes donc on le voit plus. Ah, lui se défend, intéressant. Toi avec ta fronde tu es un peu dans l'os hein, j'ai envie de dire. On va même pas pouvoir taper. Si, on va pouvoir mettre un coup quand même. On se rate. Et on arrive à le buter. Parfait. C'est toujours ça de prix. Allez, on va les poursuivre. Oh la vache quoi. J'espérais justement pouvoir mettre un dernier petit coup sur lui, mais je crois que ça va être un petit peu difficile en fait. Warm up. Ouais, en plus ils sont fraîches et tout, hein. C'est ouf les mercenaires. Bon là on est bas niveau hein, mais c'est vraiment des brutes quoi. Ah, là il est planqué dans les hautes herbes donc on peut rien faire d'autre que lui courir après. Bouger toi? Non, tu peux plus bouger. Allez, c'est bon. Hop, passez votre tour, vous pouvez plus rien faire. Intéressant ça, c'est considéré comme des ennemis, c'est-à-dire qu'ils peuvent se cacher dans les hautes herbes, les mercenaires, même si on est avec eux.
Bon, théoriquement, il devrait pas rester dans les hautes herbes très longtemps, je pense, parce qu'il va s'enfuir. Ah, mais j'ai oublié d'ailleurs, j'ai un chien à lâcher. Tu peux avancer jusqu'où? Ouais, je peux avancer que d'une case avant de le lâcher. Je vais le lâcher. Ah bah, il est à côté. Intéressant, tiens. Totalement par chance, j'ai envie de dire. Oui, on peut pas avancer, effectivement. Il y avait une case fermée. On va du coup... J'espère qu'il va pas se prendre une tatane. Ah, coup de love pick. Bon, normalement, là, ils sont dans le marais, donc il faut quand même... y aller avant qu'il puisse taper, mais il s'enfuit. Intéressant, on va le cerner. On va le cerner comme on peut. Là, on peut pas lui taper dessus. On peut avancer d'une case et tenter un petit caillou qui se rate. Là, par contre, on peut fouetter. Ok, parfait. Bon, on a Hildebert qui prend un niveau. Tant pis, on fera avec. Au niveau du loop, on récupère le type staff quand même. Un peu de munitions, un peu de nourriture. Bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal. En plus, on voit que la route faisait un contournement du marais. Donc finalement, on n'est pas si déconnant d'être passé par là. Par contre, ça sent le cul-de-sac. Ah, un truc de champignon, tiens. Non, ça c'est un nouveau bâtiment. Ah, puis du coup, Fishburg est une grosse ville, donc on n'aura toujours pas de contrat là. Mais on va peut-être pouvoir recruter des gens. Alors, on a un Hoodmaster qui est beaucoup trop cher. Ouais, non, de toute façon, vu nos sous, c'est mort. Autant laisser tomber. Par contre, on pourrait vendre ça avec un gros bénéfice, donc on va le faire. J'ai bien envie de vendre ça, la Short Sword là. Un petit Blood Jaune, là, pareil. Hop, ça aussi. Alors, on va regarder un peu à quoi ça ressemble ce bâton. Donc, un bâton un peu plus amélioré. Hein. C'est considéré comme range de 2 tuiles, 30-42 dégâts quand même. Bon, c'est très peu efficace contre les armures. Staff Bash. Ça donne de la fatigue et Staff Daze. Donc ça c'est pour Daze. Alors, je préfère la faux quand même. C'est plus dans le thème. En plus on peut mettre du bleed. Tout le monde quasiment peut mettre du bleed sauf Yilek avec son gros truc, son fléau. Et ici on a gagné un peu d'expérience. On va en faire quelqu'un de capable au corps à corps. Et là... Onslaught. Alors ça permet de mettre 50% de chance de mettre Daze quand on touche avec n'importe quelle arme tant que notre initiative et notre fatigue sont plus hautes que l'opposant. Alors malheureusement c'est pas du tout bon pour Hildebert, hein. il est asthmatique, il a son nez qui manque et tout, donc clairement c'est pas du tout son type. On va prendre Spear Waller du coup. Clairement, eux, comme j'ai dit, ils sont là pour faire des murs de pique. On va prendre ça. Donc, au niveau des outils, on est au taquet. Hein, attention, on va faire mieux. Au niveau du Medical Supply, on n'est pas au taquet. C'est un peu cher, mais je pense qu'on pourrait quand même en prendre. Oh, il y a des Catonite Tails ici. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est une cleaver, c'est à une main, ça fait 10-15 dégâts. Ah ouais, c'est quand même de la merde. C'est quand même bien de la merde. Ça fait quoi les trucs? Donc là, on fait plus 15 de... Enfin, on a plus 15 en melee skill, hein, ce qui fait qu'on est plus précis. Et on augmente le dommage de 5 à 10. Ce qui nous ferait passer ça à... 15-25 à mettre à côté d'un Scramasax par exemple.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour le booster après? Donc ça, c'est cleaver, c'est généraliste. J'ai pas l'impression, hein. Non, j'ai pas l'impression, donc on peut pas être plus efficace en fait. Du coup, c'est quand même un peu de la merde. Alors, on va quand même en prendre un, juste histoire d'en acheter un, de voir ce que ça fait. Si par exemple, hop, je l'équipe. Donc, alors par contre, niveau fatigue, c'est plutôt cool, hein. Mais alors, contre les armures et tout, voilà. Alors, flagellé. Ah, ça met 10 de dégâts de saignement par contre. Et ça, 10 armes aussi. Ouais, c'est quand même... Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça me paraît quand même pas ouf. Hein. Surtout que dès qu'on va tomber sur des bestioles avec un peu d'armure, même une pauvre armure de loup-garou, on va pas réussir à la passer avec ça, quoi. Donc on va le garder au cas où, mais... on n'en fera pas grand chose. Alors, on peut naviguer. Allwick, c'est le moins cher. Est-ce qu'on connaît ce bled? On dirait pas. Alors, c'est plus simple. On va vérifier s'il est dans la liste. J'ai pas l'impression qu'il soit dans la liste, donc c'est moi qui fume. Ah bah oui, il est là. Donc on connaît complètement. Je sais pas pourquoi je ne le vois pas ici. Bizarre. Bon, relation neutre, donc du coup on connaît. Par contre, les autres destinations sont quand même chères. Hein. Birkhaven. Est-ce qu'on connaît Birkhaven? Birkhaven on connaît pas, donc on pourrait y aller pour 240. Pour 200 pour aller à Osterstrande. Oh, on connaît. Pour 300 à Sunwick, Nebelheim, Blankwasser, Sunwick, Nebelheim, Blankwasser. Sunwick et Blankwasser on connaît pas. Donc on va peut-être partir là-dessus plutôt. Quand même un peu moins cher. Bah Blankwasser c'est le moins cher. Hein. Allez hop, c'est parti, on y va et on a un contrat. Et on est où? D'accord, on est bien à l'ouest pour le coup. Alors il y a peut-être moins d'explorer par là du coup. De retomber sur cette ville là, on verra. Mais d'abord on a un petit contrat parce qu'il nous faut des sous. Et des gens à recruter. Alors, un fossoyeur. Pourquoi pas. Il est expérimenté dans les pelles. C'est sympa d'avoir des trucs comme ça, quoi. Bon, là, on peut pas trop, avec les cultistes, pour le coup, s'amuser avec, mais... genre, le mec qui a des compétences de spécialisation avec des pelles, c'est quand même vraiment marrant, je trouve. Alors, regardons un peu. Normalement, ils vont nous vendre leur truc une fortune, ouais, voilà. Puisque il y a des villageois qui disparaissent. Alors, voyons un peu. Ah ouais, non, c'est chaud. Trois crânes. Ouais, non, c'est pas possible. Non, non, on va pas prendre cette quête, c'est pas jouable. Trois crânes, je prends pas ça, surtout qu'en plus c'est un truc... ça sent les saloperies de créatures avec des yeux rouges qui brillent et tout. Non, je suis désolé paysan, mais ce n'est pas possible. Démerdez-vous avec vos villageois disparus, on reviendra une autre fois. Au niveau des blessures, on a Ylek toujours, hein, qu'on doit guérir, mais on n'a pas ce qu'il faut. Petit paysan, pas de problème. Alors, on va partir au sud, enfin au sud-est, dirons-nous. Je pense qu'on va découvrir, on est sur le bord de la map, je peux pas aller plus loin là.
Et du coup, on découvre Sunei. Parfait. Alors, les gens sont généreux parce que c'est les local holidays, donc c'est les vacances locales. Parfait, on pourra investir dans de l'ambre. C'est pas déconnant, on sait que ça peut se vendre assez cher l'ambre. Et surtout, ils ont une quête. Qu'est-ce que c'est ? Trois crânes aussi. Pff, oh putain. Donc là, c'est sa logbox. Très probablement, il va y avoir un nécromant dans ce truc-là, quoi. Ouais, non, les quêtes à 3, c'est pas possible. Ils sont casse-couilles, les gens. On a des pêcheurs en plus. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf, nos quêtes dans le coin. C'est tellement abandonné des dieux, ce coin, que j'ai l'impression que les mecs... ils sont un peu plaises. Bon bah on va prendre un truc d'ambre. Et puis on va continuer notre exploration. Alors il y a la route qui part par là, on va aller jeter un oeil, mais je pense que c'est un cul-de-sac, ouais. C'est un cul-de-sac. Je suis bien désolé pour eux, hein, mais... les quêtes à trois crânes pour affronter des nécromants et tout... en plus ils saignent pas. C'est vraiment pas le concept. Ok, voilà, on est à Sunwick. Très très bien, voyons voir. Local Holiday également ici. Bon, ils ont de l'ambre aussi, mais... vu qu'ils se font embûcher. Alors, deux crânes. Donc du coup on a Whittle le conseiller qui nous fait un parchemin, mais avant même qu'on ait le temps de le lire, il commence à nous parler. Donc tous les marchands d'Elderstein ne veulent plus venir tant que le problème des brigands ne sera pas réglé. Voilà, donc il se balade sur les routes, il pille les caravanes et il tue les marchands. Il nous propose 140 couronnes d'avance et 170 quand c'est fait. On accepte. Et là par contre, je pense qu'on va la prendre. Deux crânes, c'est dans nos cordes. Qu'est-ce qu'on peut recruter? Une femme de pêcheur. Un beggar. Plus 30% pour le gas ring quand même, le beggar. C'est plutôt cool. Après, tout le monde est cher. Hein. On est quand même 8, ça fait déjà de quoi gérer un petit peu de monde. Au niveau équipement, un bouclier pourri, ouais non, bof. Ils ont de l'ambre, hein, donc ouais, je peux pas leur vendre mon ambre pour investir. Alors c'est où qu'il faut qu'on aille? Oh, vous déconnez, c'est tout là-bas. Alors j'espère qu'il y a une route par là. Pas de route par là. On est obligé de traverser ces saloperies de flotte quoi. Et de marée. Parfait. On a toujours Yilek qui est blessé, mais on a vraiment pas ce qu'il faut pour le guérir malheureusement. C'est les marchands d'Elderstein, hein. C'est un bled qu'on connaît Elderstein, mais c'était pas du tout dans le coin, non? Ah si, c'est là. Oh la vache, ouais. Disons, ça fait une sacrée trotte, hein. Hop là. Ok, donc quand on fait ça... quand on fait shift, ça centre sur le groupe, c'est bon à savoir. Ah, on a consommé notre dernier truc. Donc ici. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a de beau dedans? Quelques sug et quelques raiders. Ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu jusqu'ici. Ah mais on a plutôt un bon placement. Alors on va directement se foutre là. Ils ont aucun tireur, hein. Par contre ils ont des mecs de qualité. Faut pas dire le contraire. Toi tu vas commencer à te déplacer par là et tu vas attendre.
D'accord, il y en a un qui se casse. Putain, on est un mort-vivant ce mec. C'est assez ouf. Toi, tu vas rester là. Pour l'instant. Ici, par contre, on va avancer par là. Ici, par là. Hop. Toi tu vas attendre un peu. Ici du coup on va aller par ici. Normalement on doit être en sécurité hein. Je pense qu'ils peuvent pas monter par là. Vu qu'ils se déplacent pas non. Mais on va leur balancer de la caisse. Ah putain lui il a un... Il a des trucs de lancer, attention. Un petit shield wall, un petit shield wall. On voit qu'ils sont pas pressés d'avancer. Hein. Alors ici on va faire un petit mur de pique pour le coup. Tout est protégé sauf lui, donc c'est parti, on y va. Ok, on se rate. Non, il est hors de portée, dommage. Lui aussi. Ah, il peut nous toucher là. Intéressant. Intéressant, intéressant si c'est possible. On va peut-être commencer à avancer hein, parce qu'ils ont l'air d'être. On va pas pouvoir supporter des volées de javelot et de hache quoi. Il y a quand même beaucoup de raiders. Avancer Genji jusqu'ici, c'est à peu près safe. Ça pourrait leur donner envie de se déplacer. Pareil ici, on va descendre. Je vais même aller jusque là, essayer de lui mettre un coup à lui. Alors ça, ça passe par-dessus les boucliers, je crois. Ça aussi, cela dit. Putain, les armures, là on est déjà sur des... sur du plus sérieux, hein, clairement. Hop. Ah, je peux pas le taper parce qu'il est trop bas. Zut. Faudrait que j'aille là du coup. Mais c'est un peu risqué, mais bon. Mettre un petit coup de fouet sur ce monsieur. Là je peux le taper, non je peux pas le taper hein. Donc il se met là mais en fait il ne peut absolument pas me taper. On verra si c'était une bonne idée. Ok, ça commence à avancer. On va peut-être remonter ici. Ouais, putain, la vache, les. Toi, est-ce qu'on remonte? Je crois qu'ils peuvent toucher à deux, hein, avec leur épée à deux mains. Là, donc, on va peut-être avancer, du coup, reculer. On va reculer peut-être plutôt. Essayer de se recentrer par là parce que on est quand même vachement découpé là. Ça me plaît pas trop. Donc, on va remonter. Alors là, c'est lui le plus dangereux pour l'instant. Même si c'est relatif avec nos petits cailloux. Toi tu reviens ici. Hop, tu attends. Ici on va tenter de mettre un coup à 71% qui rate et un deuxième qui touche. Ici on se rate et on touche. Et là...
Ça m'emmerde un peu d'y aller comme ça, malheureusement, mais vu qu'il est tout seul, on va quand même le faire. On peut même essayer de le repousser. Hop, voilà. Pas mal comme ça. Toi, tu reviens là. Ah, du coup, on peut plus lui taper dessus, hein, on est d'accord, mais c'est pas très grave. J'aurais peut-être même dû remonter avec lui plutôt, tiens. Ouais, j'aurais dû remonter avec lui pour le forcer lui à perdre une action et à revenir. C'était une erreur de ma part. Tant pis, on va rester là avec Ilek. Ici, on va faire un mur de pique pour les faire réfléchir à deux fois. Ah, ça, ça attaque à deux distances, attention. Ah, ils ont cassé mon... Bon, va falloir aller filer un coup de main par là. Parce que c'est pas avec notre renfort de... Ok, il me repousse. Bah écoute, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. C'est parfait. Ici, on ne peut rien faire, donc on va attendre ici. On va tenter de fouetter. On se rate. Ah, dommage. Putain, deux fois raté, c'est bien dommage. Ici, 37% seulement de chance, putain, c'est pourri ça. Ici, on va attendre de voir ce que fait lui. Alors là, il faudrait qu'on fasse le tour jusque là. On peut pas, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas grave, on va juste menacer l'autre sur l'arrière. Lui, il se balade, ok, très bien. Oh, l'autre il arrive à me toucher sérieusement quoi, putain c'est abusé. Ici il va falloir qu'on tienne, pas trop le choix malheureusement. Parce que si j'avance je vais être vraiment trop dans la merde. Alors ici, là il y a un arbre, hein, si je ne m'abuse. Non, il n'y a rien du tout là. Donc, je pourrais aller là en fait directement et je serais collé à lui. Il n'y a pas de zone rouge donc non, il doit y avoir un trop de hauteur ou un truc du style. On va y aller du coup pour contrôler un petit peu le coin. Pareil, on va aller là. Donc toi du coup tu ne fais rien ici. Il nous met un coup. Là, ils en veulent à Gakar le fouetteur, hein, c'est logique. Ouais, et toi du coup, je suis obligé de t'avancer là, mais pour l'instant tu ne peux rien faire. Ok, ils font le tour. Ils reviennent par là, très très bien. Bah toi écoute, continue de mettre tes petits coups. Ok, on a réussi à le daze, ça c'est cool. Ici, putain, mais par contre faut que vous arriviez à toucher, hein, parce que... Vu le nombre qu'ils sont, sinon ça va piquer. Allez, on va aller là. Et lui, il va aller ici et faire un petit mur. Ah, quand même, on arrive à toucher un peu lui. Et on se rate le deuxième coup. Ici, bah... Bon, c'est plutôt propre, en même temps il a pas beaucoup d'armure, on a de la chance. Pour le coup lui est plutôt bien. Ok, on va au moins réussir à en désarmer un. Toi tu vas rien faire d'autre, toi tu peux rien faire d'autre. Ah! Ouf, ça fait mal, hein. Ça fait mal aux fesses. Et on peut essayer de taper là. Ça passe. Mais là, et lui va sortir CH et tout. Ça va être compliqué cette histoire. Attends. Ah, il est déjà réarmé lui. Putain, ça a duré qu'un tour. Et en plus, on se rate quoi. Bon là on va y aller hein, parce que
Au bout d'un moment, faut quand même en finir un peu. On a toujours pas réussi à en buter un seul, quoi. On commence à peine à diminuer les armures. Oh là là. Les fouets, c'est vrai que c'est cool, mais alors... Niveau passage d'armure, c'est vraiment plus possible, quoi. Là, on saigne ici. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. Ah! Oh putain, ça y est, ça commence à partir en couille. On le sent, hein, là c'est le moment où d'un coup, toi tu tapes depuis des tours, il se passe que dalle et eux ils arrivent et BAM! Et comme tout le monde commence à crever. Ah, je peux même plus viser lui, du coup je suis obligé de tirer sur celui-là et ça rate. Ouais, mes mecs sont fatigués, ils vont plus pouvoir taper. Ouais. Je crois que c'est un peu trop compliqué pour nous là. On a réussi à en tuer un, mais le chien se fait dépouiller. Là, l'autre il arrive avec sa grosse épée. Ici, une hache qui passe. Nous on a réussi à rien ici quoi. Oh là là, mais... à 71% à un moment faut toucher par contre. Hein. Ok, on a finalement réussi à casser son casque. Mais on est mort, ok, très bien. Alors lui s'enfuit, on va donc essayer de mettre un petit coup sur celui-là avec son armure de fou là. Le bateau tu sers à rien, tu vas avancer d'une case, tant qu'à faire. Ouf, putain. Oh là 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 là. Oh putain. Aïe aïe aïe. Bon, ça sent le pâté cette histoire. Ah, j'ai oublié de lui remettre une arme en plus à lui. Putain, l'autre c'est hallucinant, hein. Il est venu nous coller depuis le début, on lui a mis tout ce qu'on peut dessus, on n'a pas réussi à le tuer. On a réussi à en tuer un ici, tant bien que mal avec le clébard. Tout le reste c'est raté quoi. Putain. Donc là effectivement on sent la limite des cultistes, hein. C'est-à-dire que normalement avec des gens niveau 4 et tout on est capable de se faire des raiders quoi. Mais là on a tellement pas d'équipement, c'est tellement la dèche de tout. Nos mecs ils sont épuisés en plus. Ouais, ça sent la reload, ça sent le reload là, on va s'arrêter là, hein. De toute façon on a beaucoup trop de morts. Beaucoup beaucoup trop de morts. Du coup, bah notre quête c'est quand même censé être de la faire, hein, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Personnellement. Bah, vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, et vous allez me dire si vous pensez qu'on a peut-être en équipement des meilleurs trucs et tout, parce qu'on a quand même quelques hammers pour s'occuper des armures, etc. Si vous avez une idée pour mieux gérer ce combat, n'hésitez pas à me le dire. On a la possibilité aussi éventuellement de faire un petit détour par là, vu que c'est pas très loin, et voir si on peut pas vendre notre rang mais recruter des gens, ou de l'équipement. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées pour gérer ce rush de Riders. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.